Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour la traditionnelle vidéo des colos terminés. Donc là cette fois-ci donc il s'agit des colos terminés du mois d'octobre avec un peu de retard. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres de coloriage. 14 colos dedans, c'est pas mon premier livre, et puis je vais vous présenter tout ça, et puis c'est parti. Alors, dans le premier livre de colos que j'ai fait dedans, j'ai fait 4 colos dans le Animorphiat et le Kirby Rosanne. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc le premier colo que j'ai fait dedans. Ah merde. Ah oui. Donc voilà le premier colo que j'ai fait dedans. Donc il s'agit des singes chimpanzés que j'ai fait au Polychromos Faber-Castell. Ensuite, alors celui-là, je devais vous le poster pour un tuto, pour un tuto Halloween, mais vu que la mise en ligne a dû être un peu longue, mais je la remettrai promis. Donc celui-là, je l'avais fait complètement pour les chromos et pour le fond, je l'avais fait au pastel sec marron très foncé. Ensuite, le troisième colo que j'ai fait dedans, donc il s'agit des poissons. Les deux colos, donc le buffle, le singe, le poisson, et pour les pièces, c'était pour mon groupe Facebook. Donc les poissons, je les ai fait totalement pour les chromos. Et pour le dernier colo de ce livre et pour ce mois-ci, donc j'ai fait les pieuvres, donc j'ai fait complètement Polychromos, Faber-Castell sans prendre prise de tête. Ensuite, j'avais fait une présentation de ce livre sur ma chaîne YouTube, donc il s'agit du livre Art Déco de H.H. Virus. Le premier colo que j'ai fait dedans, bah, c'est Jasmine. C'est Jasmine que j'avais fait en binôme avec une aurore que je vous mettrai sur Instagram. Donc, on a les deux réalisé Jasmine que j'ai fait au Décotam Action et au Polychromos. Bon, il reste des motifs. Donc, voilà. Ensuite, un marque-page Mulan que j'ai fait dans le blog Mulan que j'ai réalisé au Polychromos. Ensuite, un mandala. Dans le style entre printemps et automnal que j'ai réalisé au Polychromos. Ensuite, je ne vous ai jamais présenté ce livre. J'en ai fait trop. Donc, en premier, je fais celui-là. Non, il fait. Oh, le zéro, oui. Il est fait là. Oh, merde. Donc, en premier, j'ai mis celui-là, au feutre. Ensuite, le deuxième que j'ai fait, c'est celui-là. J'en ai fait un troisième, donc j'ai fait celui-là. Donc j'ai fait
celui-là aussi. Celui-là. Et puis l'autre, c'est un long cours. Voilà, voilà. Pour le mandala. Alors, avant-dernier colo, avant-dernier livre non mystère, parce qu'après on passera au livre mystère. Le fantôme en fait Carbozal, il a sa vidéo. Livre de lui, il est fini. Donc, je vais vous présenter le dernier colo que j'ai fait dedans. Enfin, donc, j'ai fait celui-là, que j'ai fait au polychromos pastel sec. Et le dernier livre, le dernier colo de ce livre. Donc, je trouve... Ah, ça y est, le voilà. Donc il s'agit des tourbillons de méduses, des méduses que j'ai fait au polychromos pour la le tourbillon, et pour les méduses je les ai fait un mini bol blanc. Donc voilà. Donc, bon, nous allons passer au livre mystère qui est juste à côté de moi. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, machin, vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, pour les autres... Donc, alors, j'ai fait aussi un duo dans ce livre-là. Le premier colomissaire que j'ai effectué pour le mois d'octobre. Donc c'est Isma dans Cusco. J'ai fait celui-là, je l'ai réalisé au Beco Time Polychromos. C'est aussi mon livre. Donc voilà. Ensuite, le deuxième que j'ai fait, non, c'est... j'en ai fait trois dedans. Donc le deuxième, c'est celui-là que c'est la rivale de Merlin dans Merlin l'Enchanteur. J'ai fait au feutre écrit en couleur des cotins polychromos Faber Castell Pied. Et le dernier que j'ai fait dans ce livre, que j'ai fait effectuer avec mon Dream. Donc on a décidé de faire la plage de l'Atlantide que j'ai réalisé polychromos et déco time et crayon d'eau. Donc mon ami, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et puis si tu vois cette vidéo, voilà, prends ton temps, je suis pas pressée. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de vous abonner. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et je vous mets les liens des binômes en description. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.